Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multi Gaming, c'est Béné. On se retrouve pour le 122e épisode de The Witcher 3. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, on va finir la quête de la course de souvenir d'Erasme Vegelbood. Donc, c'est la course qu'on avait fait à côté du domaine Vegelbood, où un petit personnage est venu nous parler, nous a dit de venir voir son maître Surin. Donc, Surin qui est le maître d'un des quatre piliers de Novigrad. Carlo Svarese, c'est lui. Merci pour l'invitation. Bravo à toi. Belle victoire chez les Vegelbrud. Luc est un trou du cul fini, mais de mémoire, c'est bien la première fois qu'il perd. Vu la façon dont tu l'as distancé, t'as tes chances au panier. Ça paie vraiment. Très bien, je vais participer. Voilà qui est parlé. Mais fais gaffe à pas me laisser tomber, je vais miser une petite fortune sur toi. Allez, va te préparer. Boire une camomille, enfin, ta piste d'un habituel. Ok, donc il veut que, je me doutais, il veut qu'on participe à des courses pour lui. Donc, pas étonnant, en vrai. Est-ce qu'on va faire sa course à lui? Pas tout de suite. On va voir ce qu'on va faire. On va peut-être faire des petites courses de show. Ou on va peut-être faire des contrats sorceleurs. On va peut-être faire des contrats sorceleurs. Ça peut... Ah, ok, non, on est obligé, ok. Un truc, avant tout, inventaire. J'avais reçu une selle, 65 de vigueur, ah, 70, ça, c'est trop pas assez. Bon, tant pis. Bon, ben, c'est parti, allez. On y va. Le roi des mendiants, le mainqueur ne se compte pas. Alors, pas du... Alors en position. Ok, c'est le roi des mendiants qui donne le départ. Attends. Comment ça se fait qu'il n'y a personne avec moi? C'est bizarre ça. Personne à côté de moi. Il n'y a que des chevaux vides. C'est un peu chelou ça. Oula, regardez le spectre là-bas. Oula, il y a un petit spectre là-bas, tiens, qui se balade. On va falloir faire gaffe, autant il va nous attaquer, on va être marron. Donc il va falloir faire gaffe quand même. Ok. On va récupérer un peu d'endurance. Je suis seul ou quoi? J'ai pas l'impression d'être seul. Je comprends pas trop. Il y a un petit bug, tant mieux. Hein. S'il y a un bug, au moins on est tranquille, hein, en vrai. J'ai l'impression d'être seul. Est-ce qu'on va l'avoir, le spectre là sur la droite? Non, apparemment non. Ok, donc c'est l'arrivée. Ah non, ok, c'est pas l'arrivée. Attention, messieurs. Bon, je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'il y a personne d'autre. Mais tant mieux en vrai. Il est tranquille au moins. On va se reposer un peu. Allez. Bon. Donc. Ben, on est tout seul, hein. Les ponts, je crains, parce que... Ablette aime pas trop les ponts. Surin a eu le nez creux de te recruter. Oh là. Félicitations. Il y a personne d'autre. Je te ferai bien un prix pour récompenser ton héroïsme. Geralt dans mes bras. Non? Tant pis. J'irai claquer la bise à ton ablette. C'était du grand art. Et ma paye? Tiens, voilà pour toi, Rapia. Jamais vu un type gagner son ordre d'aussi belle manière que toi aujourd'hui. La garde du temple! Dispersez-vous! Foutons le camp d'ici et vite. Un grand merci, Geralt. Hier de course. Oh, c'est quoi ça, hier de course? Ah. Oh, en couille. L'enquête termine. Pardon. Œillère de course, c'est quoi ça?
Est-ce que ça sert? 40 niveau panique du cheval. Ok, ouais, c'est bien. Ok, bon, c'est bon. Hein. On va pouvoir continuer. Par contre, je vais tout lâcher là. C'est bon, on va pas garder tous ces trucs là, on s'en fout. Merde, je suis trompé. C'est pas grave. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? J'ai dit, je voulais peut-être faire des contrats sorceleurs. Quête secondaire, c'est du Gwent. On va faire ça, on va faire les petites parties de Gwent. Qui est juste à côté, donc c'est plutôt cool. On va faire ça. Là, ça va être un épisode assez tranquille, je pense. Voilà, on s'en fout. Ça va être un épisode assez tranquille. On va faire une petite partie de Gwent contre lui. Et après, on ira à l'auberge de la Croisée des Chemins pour faire l'autre partie de Gwent. Et ça pourrait être déjà pas mal du tout. Donc, il faut la trouver, la carte, apparemment. Ici. Ici, il faut trouver la carte. Vous partez ou vous restez encore un peu? Longue vie, blablabla. Ok. Faut trouver la carte alors. C'est peut-être l'aubergiste qui est là. Bienvenue, bienvenue. Ok. Quelques manches de Gwent. Allez, on va faire ça contre lui déjà. Je sais pas si j'avais déjà joué contre lui, je crois pas. Yennefer, très bien. Allez, forte Yennefer aussi. Ça, c'est plutôt cool. Allez. Oh, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ok. Oh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal le jeu que j'ai. Là, les Scoia'tael. Les Scoia'tael, c'est pas mal, hein, en vrai. C'est vraiment pas mal. Ouais, très bien. Mon Dijkstra qu'on a assassiné dans le dernier épisode. Le petit Dijkstra. Ok, très bien ça. Qu'est-ce que je vais faire pour Fortis? Voilà, allez. Hop, très bien. Très bien. Allez. Pardon, donc on va faire ça. Escarmouche nain. Ok. Je vais être Triss. Ok. Ok. Il a pas de grosses cartes en vrai. Il a pas de grosses cartes du tout. Ok. Plutôt rancier, on s'en fout. On fera la carte. Carte du héros après. Voilà, c'est. Gérald de Rive. Ah, il a pas. Alors, il a pas des cartes ouf, lui. Non. Hop. Petit soleil, tranquillou, très bien. Oui. Bon, bah, victoire. Victoire, victoire. Vraiment pas compliqué. Il était vraiment pas compliqué du tout. Donc, je sais pas ce qu'il va nous donner comme carte. Vilantre de mer. Je connais pas. Alors. Et que dalle, hein. Un petit coffre ici. Oh, de Vinaine. Très bien ça. Ça c'est bien ça. Super. Bah, pas là déjà. Ah. Non, ramasser. Ok. Bon. Où est cette petite carte? Je vais prendre tout ce qu'il y a. Je vais prendre tous les trucs orange. Mais putain, ça va faire chier.
monde parle de vous, vous savez. Mmh. La fortune et la gloire, vous avez... Ah, c'est ça ? Oh, magnifique ! T'es en plus première pièce que je fais, je la trouve. Putain, ça c'est bon. Ça c'est bon, bon, allez, c'est fait. Ça c'est fait, ben maintenant on va aller voir le propriétaire de la croisée des chemins qui est pas à côté, donc il va falloir prendre le voyage rapide qui est ici. Donc voilà, ici, magnifique. Allez, non, s'il te plaît, voilà, allez, let's go. Pour être pas mal. Bon. Ben, Allongez-moi avec un tonneau de bière et une chope dans la main droite. Passez votre chemin. Et il est où l'aubergiste? Chantez gaiement. Il est morfin. Il est pas là? Vous avez l'air d'avoir pas mal voyagé. Il est pas là, monsieur. On va. On va avancer un peu le temps. Il est là. Je l'avais pas déjà défié, lui. Il me semblait que je l'ai déjà défié. Salutations. Allez, petite partie de goût. Que vous aimez jouer au... C'est peu de lutte. Entendu. Bon. Ah, c'est ça que j'ai gagné. Que j'ai trouvé. Ça peut être pas mal du tout, ça, en vrai. C'est parti, let's go. Bon. On va enlever lui. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout, ça. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Ok. Donc lui, il a les Nymphes Gardiens. Ok. Ça, c'est bien, ça, le fleur. Ça, c'est très bien. Ok. Déjà, il a passé 12. Alors, attends. Je réfléchis à ce que je pourrais mettre. Si, c'est 8. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. Ok, donc allez, continuons. Triss Mirigold. C'est bizarre, les sorcières elles sont pas hyper puissantes, elles ont 7. Pourtant, normalement elles sont plutôt pas mal. Hein. Ok. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je vais faire jouer Gérald, allez. On va essayer de prendre un peu d'avance, histoire de le faire jouer, et on va peut-être le laisser gagner. C'est possible qu'on fasse ça. Au moins... Ah! Pour utiliser mon leurre. Au moins, on pourra finir tranquillou la troisième manche. Bon. Ah putain, encore, putain, c'est bien ça. Ça c'est très très bien par contre. Dijkstra, putain. Quel enfoiré. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le ressusciter, Dijkstra, avec. Avec. Comment il s'appelle? Avec elle. Et même avec Yennefer. Par contre, toi, regarde, hop. Allez, dégage. 20. 20 en moins, ça fait mal au cul quand même. Ça fait très mal au cul. Ça. J'ai presque envie de passer maintenant, tu vois.
Vu l'avance que j'ai. Ah là. Ah, il me rattrape un petit peu. Alors, au moins, on prend un peu plus d'avance. On va passer maintenant. On va passer maintenant, de toute façon, j'ai de l'avance. Je pense que ça. Voilà. S'il fait ça, c'est qu'il a plus grand chose entre ses mains. Malheureusement pour lui, je pense qu'il a plus grand chose entre ses mains et je pense que nous allons gagner directement maintenant. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est bon, on va gagner. Oh, quoique, si, on va gagner. Nickel! Victoire. Assez tranquille. Assez tranquille, donc c'est plutôt cool. Oui, j'ai perdu. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Tenez. Meilleure carte est à... Ok, bah c'est super. Menoquer, couronne. Ok, donc allez. On a récupéré la carte. Mm-hmm. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? On ira peut-être à Skellige. Hein. Peut-être on fera ça. On ira peut-être à ce qu'il y a, faire les points sur les i. On l'a chevauché, on verra. Va falloir jouer au Gwent aussi. Bientôt. Donc on fera ça. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de The Witcher 3. Allez, peace, prenez soin de vous.